ça y est, je suis partie pour ma micro-aventure. Donc je devais partir 2 jours et demi et 2 nuits. Finalement, ça sera plus que 2 jours ou 1 nuit. Mais c'est pas grave, l'itinéraire, elle est vraiment sympa. Et je vais me faire à peu près 2000 mètres de dénivelé positif pour monter là où je vais ce soir. Donc ça va être sport. En plus, il fait suffisamment chaud pour que je perde les raclettes et les fondues de cet hiver. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, du coup, je vais vous montrer au fur et à mesure par là où je passe. Et puis voilà, je vous dis à plus. Enfin, je me suis lancée seule sur les sentiers de randonnée. L'envie de solitude, le besoin d'entrer en contact avec la nature sans distraction et de me retrouver avec mes pensées. Je suis donc partie sur une randonnée engagée vers les sommets peu fréquentés pour aller respirer et me ressourcer. 24 heures de marche en mode minimaliste. Un laps de temps au cours duquel je n'ai croisé personne. Une détente mentale extrême à travers un effort physique qui m'a permis de me sentir exister. J'ai aimé cette solitude en randonnée. Cet exercice m'a offert un moment de réflexion et a laissé à mon esprit le temps de vagabonder et d'aborder des questions que je n'ai pas le temps de traiter au quotidien. Je n'ai pas forcément eu les réponses à ces questions, mais ce n'est pas ça l'important. L'important est le fait que je me sois octroyé ce moment de pause mentale à travers l'effort physique et la solitude, loin de la civilisation, des écrans et du quotidien. Une pause au cœur de la tempête qu'est le temps qui passe. Une déconnexion face à la société actuelle et sa vitesse de croisière bien trop rapide pour les êtres humains que nous sommes.
Voilà, je viens d'arriver au refuge où j'avais prévu d'arriver. Donc, c'est pas ici nécessairement que je vais dormir, mais c'était mon but. Du coup, je suis à 2301 mètres d'altitude au refuge des Sources sur la commune de Villars-Notre-Dame. Et j'ai une vue magnifique sur l'Alpe d'Huez, par là. Et je suis complètement seule, toute seule. J'ai croisé que des marmottes et des chocards, du coup c'est vraiment super cool et c'est ce que je recherchais. Du coup voilà pour cette soirée. Seul dans la montagne, j'ai écouté le silence, observé les paysages et les animaux que j'ai croisés. J'ai pris le temps pour moi, pour vivre, pour simplement être dans le moment présent, ici et maintenant.
Réveil très matinal ce matin, je suis réveillée à peu près vers 5h du matin, donc bon, forcément quand on dort dehors, on se lève avec le soleil. Et tout s'est bien passé, il a pas fait trop froid, donc ça c'était cool. Et puis voilà, j'ai eu le temps de déjeuner, tout ranger, et puis là je suis sur le départ, il est même pas 7h, et donc je redescends vers Bourdoisan. Et voilà, dans quelques minutes, je suis rentrée chez moi. Du coup, ça aurait été une micro-aventure d'à peine plus de 24 heures, sans prendre de transport et avec un super bivouac hier soir.